bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 31 accompagné de Doc, Funeral 97, tout évidemment. Comment il va celui-ci? Eh ben celui-ci va bien et vous, comment allez-vous? Ça va très bien, on devait faire un château d'eau qui était infecté de zombies évidemment. Et je suppose qu'il faut monter. Néanmoins, on peut aussi descendre. Fufu, quel est le meilleur choix d'après toi? Tu sais ce qu'on va faire mon Fufu? Tu descends, je monte. Ça roule? T'es où? Bah là, faut avancer mon ref, hein. Ok. Donc tu descends et je monte. Attends, déjà je vais ouvrir ça. Non, il faut que tu descends. Laissez-moi ouvrir. Ok, mais descends quand même. Oui, je vais descendre. Il faut partir au bout d'un moment. Il faut quitter le cocon familial. Hop, d'ailleurs là j'ai tout fouillé. Pourquoi vous me laissez aller dans les ténèbres? Voilà. Bon, tu sais, en haut c'est pas spécialement plus beau, hein, frérot. Hein, Ah c'est vrai, il y a du parcours et tout. Bon bah je vais descendre. Voilà. Mais comme ça, on répartit, parce que si c'est juste un courant à mettre et moi j'actionne en haut, tu popperas directement sur moi, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Alors, Ouh, ça a l'air chiant en bas. Oh, ça a pas l'air spécialement mieux ici. J'en ai déjà marre, Fufu. Y'a pas de porte. Y'a un truc qui fait cloung cloung cloung. Ok. Ça fait de l'UV. Je peux recharger mon UV. Félicitations. Ensuite, y'a une porte. Oh non. Quoi? De l'eau. Ok, déjà j'ai activé une échelle raccourcie. Déjà. T'entends Fufu? J'entends, vous avez activé une échelle raccourcie. C'est ça. Donc déjà, ça sera ça en moins. Ici, il y a un coffre à crocheter. Donc je te le dis, t'inquiète pas, on l'oubliera pas. Je le crochette. Ici, c'est un trap. Voilà. Y a rien du tout? Y a rien du tout. Non, regarde bien. Non, vraiment. Regarde. Je bien. Regarde super bien, y a rien. Ouais, du mais tout. À chaque fois, tu laisses des trucs, toi. Regarde une dernière fois très bien. J'ai y'a forcément un bail, sonar. Mais non, mais ils peuvent pas nous laisser aller en bas s'il y a rien, frérot. C'est impossible. Je pense que si tu fails ton ascension vers le haut, tu tombes ici. Bah non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je suis toujours pas d'accord avec toi. En tout cas, je ne vois pas. Je vais essayer d'escalader ce qui a l'air escaladable et. Donc, je verrai bien. Ouais. Moi, pareil. Quoi? Quoi? Oh ouais. Allez, on y va. Allons-y. Ça va, vous vous amusez? Oui. Allons-y, allons-y. Attendez. Hop là, je me suis accroché à un grillage, voilà, je crois. Qui était. Je sais pas, c'était très bizarre. Mais en même temps, je glissais sur un tuyau, je sais pas ça. Les crochetages me font briller, là, Fufu, en ce moment. En ce moment, je suis... Je te le dis, dans la trentaine des épisodes, je suis plus d'humeur crochetage. Pourtant, c'est vous, notre maître crocheteur. Bah oui, mais là, entre Fort Boyard et ici, j'ai été un peu dégoûté, tu vois. Bon bah, je vais pas te mentir qu'en bas, y'a rien. Voilà. Non, forcément quelque chose. Je vous jure qu'il n'y a rien. Cherche encore, Fufu. Bah là, j'ai escaladé tout ce qui est escaladable et je suis remonté là où tu es. Là, j'ai une corde. Et ça me met un point orange vers le haut. Ok. Bon bah rejoins-moi. Rejoins-moi en prenant les coffres que j'ai déjà ouverts. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe? C'était nul. Vas-y, j'ai remis une échelle raccourcie. Prends les échelles raccourcies hein bébé hein, que je bah, pas. Oh non, encore un crochetage. Mais non, tu déconnes. La première échelle, je l'ai vue au moment où j'ai fini d'escalader tout le truc. Bon, je vais regarder où est la deuxième échelle raccourcie. Alors, deuxième échelle raccourcie. Il y en a trois en tout, je crois, il me semble. Bon, alors attends, Fufu, c'est bien beau tout cela, mais il est temps aussi de fabriquer des petits trucs, d'accord? Cocktail Molotov, c'est fait. Une grenade maison, mec, je peux faire. Incroyable. Mais il faut. Moi, j'ai pu faire des chevrotines, mais pour mettre dans quoi? Des soins, je peux faire des soins, Fufu. Donc, j'en fabrique 6, bah les couilles. Hop. Je fabrique 2 molotov et ça sera très bien comme ça. Voilà. C'est quoi ce bruit? C'est une musique qui démarre. Oui. Là, j'ai une porte, mais alors je n'ai pas compris. C'est une porte. Ah. Comment ils l'ont mis cette porte? Viens. Tu l'as vu ou pas? La porte qui est là. Et ben quoi? Et comment elle est arrivée là? Bah parce qu'à l'époque c'était pas cassé je suppose. Non. Bah... Ouais. Attends, je pense. C'est un problème là Fufu. On doit monter
moi je vois. Je vois qu'une corde. On peut pas utiliser la corde pour. Oh non. Si, je crois que tu dois utiliser la corde. Te basculer. Vas-y, je te laisse faire. Attends, attends, j'essaye de. Je vais vriller là. Ce jeu veut pas. Voilà. Je te laisse faire. C'est nul, mais ça s'est passé, donc on va dire que c'est bon. Non, Fifi ! Bonsoir. Quelle blague ! Ça peut être étonnant. Il a pas tenu la... Il a pas tenu la corde ! C'est bon, je suis devant. Bah, GG, attends-moi. Ah non, tu peux activer le bouton ? Non, il faut que tous les joueurs soient présents. Oh là. T'as peut-être TP sur moi ? Ah ouais, ça serait bien... D'autres joueurs vous attendent. Ils ne peuvent pas progresser. Ouais, j'ai mon Miou. Tu veux pas appuyer sur une flèche ? Si, t'inquiète, oh, j'arrive. Oh, nice ! On se lâche crochette, hein. Je sais pas où j'étais, gros, j'étais dans un endroit fermé. Bah, t'étais à 300 mètres de moi. Oui, ouais, non, mais j'étais dans un endroit fermé. Hein. J'ai une cassette, frérot. Du château de mes couilles. Voilà, c'est... Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le château de mes couilles. Genre, t'as un petit château pour ranger tes petits bon, coucous. Eh, ça va que le château d'eau était moins relou. Oh, on a une grenade maison. Un gant de secourisme. Alors ça, c'est cool, attends. Non, c'est chiant, j'ai déjà un meilleur gant. Allez, on est parti, activer site. Bon, bah, on avait dit, hein. Affecté aux survivants, hein. Ouais, puisque, ben, bah, on essaie t'as de... vu les punching balls ? Où ça ? Un sac d'atterrissage qui aura en haut. Vas-y, on prend. Oh, ça allez va bien, ça. Bah, ouais, on essaye d'avoir les tyroliennes. On veut, on veut faciliter notre quality of life lors de... Oh, ils vont faire un village ? Bah, en gros, c'est beaucoup mieux ça que les centrales, non ? En vrai, les pacificateurs, l'avantage c'est qu'il y a pas mal d'outils pour dézinguer du zombie. Bon, on va dire que notre problème numéro 1, c'est pas tellement dézinguer les zombies open world vu qu'on les skip et qu'on en a rien à foutre, c'est comment se promener, d'aller de bâtiment en bâtiment sans se prendre trop la tête. Ouais, c'est ça. Sans faire 4000 fois le tour du bâtiment, tu connais. Exact. Clean water. Oh, cheap. Pour dire qu'il y a de l'eau clean. Hop, les drapeaux ont disparu, c'est elle est plus cheap, clean. Hein, les rats là, ils vendent l'eau et tout. Voilà. Ok. Bon. Pourquoi tu veux savoir ? Ça nous fait un appart. Oh, regarde, y'a du pain, y'a du saucisson et tout. Hein ? Pardon ? Là. Non, c'est pas du saucisson, ça. Non, c'est un beau gigot, un bon jambon, ça. Un gros jambon, même, parce que... Ah ouais, oh ouais, ça se met bien. Non, mais attends, c'est quoi cette boîte ? Attends. C'est censé être une texture de... d'haricots, de trucs verts ? De petits pois, de gros pois ? Attends, Fufu, parce que tu sais que ta vie est extrêmement agréable à entendre, ça faut le savoir. Oui. Mais concentre-toi sur le prochain objectif. Non, 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 je veux que vous veniez voir cette boîte de haricots. Non, non, je ne viens pas boire. Venez voir cette boîte de haricots. Non, parce que je te connais, tu manges. Je vous jure que ça vaut le coup. Mais tu manges jamais rien, donc tu sais même pas ce que c'est. Ça ressemble à ça pour vous, regardez. Est-ce que c'est censé être une boîte. Ça, c'est des boîtes d'olives, non ? Mais c'est censé être translucide, ça ? Genre, c'est ça, la texture du haricot ? Ah bah non, mais... Regarde le bocal rouge. Mais non, mais ils ont c'est une texture aplatie, c'est c'est voilà, ça fait rien, voilà. Le souci ça c'est ce qu'on dit, le diable se cache dans les détails. Et je trouve que le diable, il est nulle part ici. Et il s'habille en Prada aussi, il s'habille en Prada. Oui. Oh, vous avez vu, là, il y a un truc qui fait pchit. Attends, localise aux jumelles, Fufu, je t'en supplie. Ah oui, Fufu, va falloir que tu m'aides si tu veux que les épisodes soient plus agréables. Après les gens, ils vont dire que je suis désagréable. Aide-moi, j'ai besoin vous d'aide, désagréable, tu comprends? J'ai besoin d'aide. J'ai découvert le fisheye. Bien joué. C'est génial. Je suis très content. C'est moi aussi. Ouais. Alors attends. Ouais. J'ai découvert un truc. Ouais, une tour radio bien de la joué, boucle nord. Oh, grappin requis. Très bien. J'ai découvert une tour radio de la boucle nord. Est-ce que le grappin est requis sud. De quoi? Moi le grappin il est requis, donc si on n'a pas le grappin on peut pas la prendre. Ah ouais. Bon, on est pas mal. Fufu ? Oui. Tu vois le moulin en face ? Je vois rien parce qu'il y a de la fumée dans la gueule là. Eh ben allons-y, let's go. Faites un petit effort, monsieur funéraire. On l'a pas pris celui-là ? Non. Hop, je m'envole. C'est quoi cette boue là dans les yeux ? Il a plu ? Oui. Bah, c'est de la boue. Ah oui, mais on se prend de la boue dans la gueule, c'est quoi ? Il y a une tornade ? Putain, vas-y, on va essayer de gratter Fufu. Oh, Fufu, mon grattage est fini. Quoi ? J'ai pas réussi à gratter. Ok. Bon,
Monsieur Fuléral, il est temps de monter cela, n'est-ce pas? Ah, vous avez trouvé que t'étais tout en haut? Bah, j'y étais. Mais t'es tombé. Je l'y suis. Attends, mais c'est quoi? C'est une tempête? Ah bah attends, regarde. Tempête tropicale, ça, je reconnais. Regarde. Deux. Voilà. Hop. Bonjour. Ah, je suis passé à côté, c'est un problème. T'es dessus? Ouais. Tu peux l'activer? Non, faut que tous les gens soient présents. PTP. T'es rond, ah putain, considère que t'es à côté de moi, c'est bon! Bah c'est parce que je suis à côté de toi, mon ref, calme-toi. Mais non, mais en fait, dès que t'étais en parachute, c'était bon pour lui. Allez! Let's go! Un moulin en plus de paix! On prend tout dans la gueule, là. Mais... Ouais, non, partout. Oh là. Oh l'angoisse! Y'a de la boue dans mes yeux! On devrait acheter des essuie-glaces d'œil. Je pense que c'est un concept que personne n'a pensé à faire. Ouais. Ah, ça te frotte la rétine. Putain. Genre, et puis ça femme survie, genre. C'est de frottement. Et ben voilà une bonne chose de faite. Ça, c'est beau, ça. Il doit y avoir une option pour désactiver ça, je pense. Non. Ça, si, mais attends, il y a une option pour désactiver les gâchettes adaptatives. Ça n'a rien à voir entre les gâchettes et. Ça, c'est un effet. Il n'y avait pas avant, je me dis que maintenant, il y a peut-être. Quoi? C'est quoi ça? Autre structure déverrouillée, j'ai rien compris. On a gagné du bonus? Oh, je comprends. Ouais, mais le menu, le temps qui s'affiche, j'ai tout loupé. Tout regarde, bizarre. regarde le temps qui est. Oh là là, l'angoisse. Ok. On va aller faire ce moulin là. Parce qu'on va se rapprocher. Les gars, vous l'aurez compris, on essaye de se rapprocher de la quête ici, ok? Monsieur Funéral, pareil, oui. Jumelle, et tu check avec moi. Allez, let's go. Alors attends, mais déjà, toi t'es en haut, moi je suis en bas. Bah, vous savez qu'à chaque fois je me fais kicker. Tu remontes, je veux pas le savoir. Ok, une cavité sombre. Et je parle pas de ton cul. Ah oui, alors attends, parce que tu sais, il y a le fameux moulin qui te bloque tes jumelles. Là, la vue. C'est ça. L'angoisse. Oh là là. C'est infaisable depuis le moulin. Bon, bah écoute, Fufu. Il y a un vendeur ici. Trop tard, Fufu, je suis parti. Attends, ils vendent des tissus, par contre, ils vendent pas de camomille. Attends, Fufu, normalement, si j'ai bien calculé mon chemin, je suis un monstre. Ça veut dire que t'as pas bien calculé ton chemin? Je suis un monstre. Il faut que tu viennes. Je te téléporte, rien à péter, tu me saoules. Je suis un monstre. Téléportation vers le chef. Je suis un monstre, Fufu. Je suis un monstre. T'es allé à l'autre moulin? Mais oui, gros, j'ai pas le temps, allez. Non, tu peux pas l'activer si je suis pas là. Non. Tout ça pour après me foutre un coup de pied au cul et me ramener en bas de la... Ouais. Et en plus, c'était l'occasion idéale de te faire chier. Oh, de la boue dans les yeux, je ne peux pas travailler. Et ben voilà. Toujours le même mec qui fait de la scie. J'ai mis un petit coup d'eau, hein, je suis permis. Oui, je vois ça. Il se désaltère au calme, t'as bien raison. Je suis à l'aise. Non, mais il faut boire, c'est important. Oui. Ah, là, c'est les pacifieurs, pacificateurs. Ouais. Oui, parce que c'est une zone qu'on a donnée aux pacifieurs, celle-là. Désormais pacifié. Souriez, voilà. Vous êtes pacifié. Là, tu vois, c'est déjà un peu plus... Est-ce que les pacificateurs, tu crois que c'est bon de pacifier? Bah en tout cas, ils vendent des armes pas mal. Ah, t'as compris la blague? J'ai pas compris, non. Qu'est-ce qu'il... Il faut pacifier? Oui. Non mais, genre, pacifier. Oui, de pacificateur, non? Oui, les pacificateurs, est-ce que c'est bon de pacifier? Non mais ne pas sifier, si espace fier. Ah, oh là là, putain, mais mec. C'est bon, je l'ai. Non, elle est grave. Elle est trop bien. Aïe, non, c'est qu'est-ce qu'on va devenir, bordel. Mais si je cherche de la camomille, monsieur B-Boy, je suis en sueur, ok? Rachète-lui tout. À chaque fois, faut toujours tout racheter aux gens. C'est qu'à ça que... Non, mais c'est qu'à ça que nous sert l'argent. On a 10 000, faut tout racheter tout le temps. C'est le meilleur conseil que les gens... C'est où qu'on peut améliorer, là? On n'a pas de quoi améliorer le truc, là? Vends tous les trucs, voilà. Eh, gros, on a 15 000 balles, ça sert à rien, Réro. Alors, attends.
Et là, maintenant, monsieur Funéral. Oui. Et ben, on va checker son stuff, évidemment. Et on va vendre tout ce dont on n'a plus besoin. Attends, parce que je répare mon arme. What? J'ai qu'un niveau 2. Ceci est fort embêtant. Ok. Je répare mon arme et je suis à vous. Comment ça tu répares ton arme? Bah en fait, ce que j'ai fait c'est que mon katana légendaire, il avait pas de mode. Et quand tu rajoutes des modes, ça la répare. Entièrement? Non, en partie. Ah, parce que je l'ai revendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je me suis remis 211 sur 290, donc un peu plus de la moitié. Monsieur Funéral, monsieur Funéral. Oula. On doit aller au bateau. On avait dit qu'on avancerait dans cet épisode un peu. Parce que les gens ils vont vriller sinon. Mais ok. Mais tu sais qu'en vrai, même si on a fini le jeu, et je pense que les gens seront pas contre, on peut très bien continuer à jouer pour le plaisir, faire des. Bah, s'il y a des petits trucs à faire à gauche, je suis genre qu'il y a des petits trucs secrets à choper. Bah, mais, non, mais on n'a pas 500 heures sans pour rien, Fufu. Mais ce que je veux dire, c'est on peut continuer, choper des petits trucs, histoire de papoter, de se retrouver toujours ensemble, main dans la main, et voilà. En attendant, Outlast rit. Exactement. Et je pense que les gens, clairement, ne seront pas contre. Par contre, Outlast rit, tu m'as hypé, hein. Ah ouais? Ah ouais, tu m'as hypé de fou, hein. D'accord, ok, bon, c'est bien, c'est bien. Autant je l'attendais absolument pas, j'étais en mode malin, mais quand tu m'as dit qu'il était comme, je fais. Ah, il y a un petit intérêt à ce jeu, man. Il y a un petit truc. Quantité produite 10. J'ai acheté des plans de flèches. Ah, tu vas en produire comme ça? Mais attends, mais en fait, on va autant. Autant tout acheter là, en fait, non? Pourquoi on se fait chier? Bah, si t'en trouves l'utilité, c'est très intéressant. J'en ai aucune utilité, j'en crafferai sûrement jamais, mais. Donc c'est pas très intéressant. Bah oui, mais au moins on pourra le faire. Ouais, mais faut bien qu'on claque la thune, gros. Tu vois, parce que. Ah oui, faut claquer les boulets, hein. Bah voilà, là j'ai claqué la moitié de ma thune, par contre, on a tous les plans du jeu pour l'instant qui vendent. Voilà. Plus rien acheter. Améliorer, monsieur Funéral, qu'allons-nous améliorer? Améliorer quoi? Bah rien, on peut améliorer nos plans comme d'hab, tu connais. On n'a aucune idée là pour le coup. Moi j'aurais bien voulu améliorer mon parapente, mais je crois qu'il faudrait. C'est quoi, j'améliore encore mes soins? Voilà, je vais encore améliorer les molotovs. Pièces de fabrication. Oh, achète toutes les pièces là. T'es avec moi là, hein? Ah ouais, bah moi j'ai amélioré mes soins et puis c'est tout ce que je pouvais améliorer. Ok. Je suis une merde. Très bien. Non, dis pas ça, Fufu, par contre. Je suis un gros caca. Non, dis pas ça, Fufu, par contre. Un étron fumant. Oui, ça tu peux dire. Allez, go, on y va. On est parti, les gars, on continue notre aventure. Direction le bateau-prison, la prison des bateaux. Ah ouais, parce qu'on en était avec la sorcière. Bien sûr, la petite sorcière. Et on avait sauvé le frérot qui était mort dans le tunnel. Oui, et on avait fait confiance à la sorcière. Tout le monde s'en battait les couilles, sauf moi. Même toi, tu t'en battais les couilles, tu l'avais oublié à l'instant où il était mort, le mec. Et j'étais en mode, bah, il était mignon pourtant avec sa petite tête et tout, tu vois. Ouais. Et j'ai décidé de faire confiance à la sorcière. Il avait une petite tête de chou-fleur et tout, il était adorable. Juan. Ah non, là on a décidé de faire confiance oui, à le con, beau parleur, là. Le beau parleur là. Celui qui baise à tout va, qui a une vie incroyable. Exactement. Oh, tu parles de moi, non? Excellent, ça. Non, rien, j'ai gonflé mon ego entièrement gratuitement et ça n'avait aucun sens. J'ai dit, ah, tu parles de moi? Ouais, non, maintenant, monsieur B-Boy, nous sommes des gens casés, c'est non, fini. Non, mais bien sûr, c'est terminé. Au diable les sauteries, comme on dit dans le milieu. Exactement, maintenant nous sommes vieux. Nous sommes aigris. Voilà, et on ne boit même plus d'alcool, plus rien, maintenant nous sommes à l'eau douce. Voilà. Maintenant, dès qu'on boit un verre, on va chier mou. Chut, moins fort. Parfois, les murs ont des oreilles. Tu sais ce que c'est, Aiden? C'est ma merde. On dirait. J'aurais kiffé. Tibis. C'est de la chevrotine? J'ai chié dedans, Aiden. Dios, que triste. Ce sont des œufs, Aiden. Tes poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. Du beluga, plus exactement. Oh. Tout droit venu de la mer Caspienne. Ils sont considérés comme le seul véritable caviar au monde. Ils fondent sur la langue et permettent de savourer le parfum des vagues de la profonde mer noire d'une terre lointaine. Le monde déborde de choses magnifiques, de superbes sensations, de beaux garçons et de jolies filles. Mais les rustres dépourvus d'humour n'ont rien vu de tout ça. Ils tuent pour le futur et oublient le présent. Ils? Tous les majormats de ce monde. Je t'en prie, accompagne-moi. Je me suis aussi occupé des lampes UV. Est-ce que Matt t'a confié pourquoi il a besoin des lampes dans un lieu qui n'a toujours pas d'électricité? Et comment il compte procéder à cette mission suicide? C'est ce que je pensais.
Contacte-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Matt, les lampes sont prêtes et n'attendent que toi. Compris, Aiden. Bon boulot. J'espère que Juan ne t'a pas causé d'ennui. Pose-lui la question à droite, là, c'est très intéressant. Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. À quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer ? Juan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Bah non, ça répond pas. Non. Juan, il aboie beaucoup, mais je peux m'en occuper. Excellente approche. Les chiens enragés doivent être tenus en laisse. Et quand ils essaient de mordre, le moment est venu d'abréger leur souffrance. On est d'accord que là, Juan, il entend tout, hein. Oui, oui, c'est vrai. Le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette salopelle. Attends mon signal. Oui. Bien. Reçu. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Comme tu peux le constater, Jack aime donner des ordres. Donc ouais, il a ne t'éloigne pas de la radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. Donc là, on joue... On est dans son camp, là, Juan. Ouais. Ouais, mais ouais, il est stylé, ouais. Le personnage. Il aime les belles choses. Le mec, il a des belugas. Du mec, il a des belugas au calme. Une arme tranchante bien nulle. Nouvelle quête en direct. Donc ça, c'est direction la télé. La station de télé, ouais. Direction la station qui est Monsieur Funéral. Dehors. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, attends. Point de compétence. C'est vrai. Pour moi, j'en ai eu qu'un. Ouais, mais c'est les points les plus flingués, on s'en fout de ça en vrai. Hein. Non, t'aimes bien, toi ? Bah moi, j'ai... Alors, attends... Écraser la tête de vos ennemis au sol. Concentrez-vous sur un ennemi à puissance. Je prends un coup de pied aérien, je l'ai toujours pas pris. De quoi ? Je prends un coup de pied aérien, je l'ai toujours pas pris. Donc, à la limite... C'est lui qui est derrière les bombardements. Mais moi, qui... c'est le premier truc que j'ai pris. Non, je vais passer pour une mauvaise langue. Mais qui prend vraiment... Genre... C'est pas méchant, mais qui va vraiment faire tout le tour du bateau en mode découvrir le moindre rogon alors qu'il y a rien, tu vois ? Aucune idée. Putain, mais il en faut. Non, mais il en faut. Ben, bien sûr qu'il en faut. Des passionnés, comme on dit. Ah, je suis pas au bon endroit. Fufu, j'ai un problème. Oui, que se passe-t-il ? La quête, je ne la vois pas. Et ça m'inquiète. Il faut attendre l'appel de Matt. Ah, je suppose qu'il va falloir donc juste sortir. Et là, il va faire « C'est bon, t'es dehors. » Ou je tournais en rond. Allez, viens, viens. Je suis perdu sur le bateau. Genre, tourner en rond 2 à 5 minutes. Non, mais abuse pas, tu peux pas. Comment tu peux te perdre ? C'est bon, je suis plus perdu. Bah, j'étais dans un endroit sombre, très sombre, dans la cale du bateau. Attends, est-ce que l'artisan, bizarrement, du stuff est revenu ? Non, ça va. Parce qu'on avait fait un test avec Monsieur Fufu, oulala, hein ? On s'était juste reposé, bah quand on s'était reposé dans le lit, on reparle à la meuf, elle avait tout eu, elle avait tout réussi, c'était... Ah oui, ça avait reboot le truc. Alors, bah Monsieur Fufu, est-ce qu'en attendant, on peut pas se permettre de faire un petit truc style... qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a beaucoup de choses à faire. Bah laissez-moi ouvrir ma carte. En vrai, on peut faire ça, non ? Ça te chaufferait ? Je vois pas de quoi Largage. Tu parles. Il est où ? Je l'ai montré sur la map, mais mais je crois que tu le vois pas assez. Le parachutage militaire THBFR3. Dans le truc rouge. Dans le truc rouge. Tu vois ou pas ? Non. Ah, alors, c'est un parachutage juste là, hein, juste devant nous. Hein ? À Park New Down. Parachutage militaire THBFH3. Fufu, tu veux rire. Hein. Tu l'as pas ? Mais je crois que quand tu marques quelque chose, ça le marque pas pour tout le monde, gros. Si je fais suivre, là tu le vois ? Non. Tu vois Park New Down juste devant nous là, dans le district ouais. Là. Ouais. Ah, là il y a un parachute. Ah oui, le THBFH3. Exact. D'accord. Oui, non, d'accord, OK. Non, j'ai eu peur parce que je croyais que tu me parlais d'un parachutage vraiment en face, tu vois. Et j'étais en mode ouh, on a non, pas non, le même il jeu. Est, il est juste là, je me dis il est pas loin. Hein, Quoi ? Il est à 300 mètres. Je vois. Attends, hein, je remonte tout là-haut, je suis descendu, je me suis cassé la gueule pour mieux remonter. Tu sais ce qu'on dit ? Bah écoute, on va se soigner, hein. On va se soigner. T'es où, Bichette ? Je suis derrière toi, j'attendais la confirmation qu'on allait bien par là-bas. Oui. Ah ouais, oui, bah je t'ai dit oui, non, tu m'as pas entendu ? Si, mais j'étais pas sûr. Non, tu m'as pas entendu, c'est tout. Tu m'écoutes plus. Si, c'est que j'étais en train de me concentrer sur les comptes de leur concentration. Dis-le si tu me détestes, hein. Bah, oh, y'a le greu. Hein ? Y'a le greu, là. On l'a fait, celui-là, je crois, non ?
Bah c'est pas celui qu'on a fait tout à l'heure ? Attends, bouge pas. Nope, mais on l'a déjà fait anciennement. Alors, parachutage, monsieur funéral. On est assez chaud hein, sur le truc du gros. Je le vois. En vrai. Il a pas l'air dur. Mais après, tu connais. Il dit qu'il faut que 160 d'endurance, donc je veux bien quoi ? Que 160 d'endurance. Ok. Adieu. T'es mort ? J'ai glissé. Oh. J'ai glissé, chef. Attends. En vrai, la moitié me bat si bien. En vrai, de vrai, Fufu, j'ai peut-être une meilleure astuce. Voilà. Bon. Non ! Pourquoi ? Un pute de jeu de merde ! Excusez-moi. Vous avez l'air très heureux, que s'est-il passé ? Il ne faut pas... Non, vendre la peau de l'ours. Non, bah, c'est forcément de ma faute. Voilà, tu vas écouter tout bon commentaire dira mot pour mot. Mais c'est de ta faute, B-Boy. Tu n'as pas vu, tu aurais pu faire rang à ce moment précis avec Jacques Tomain. Donc, c'est ma faute. C'est moi, j'ai malheureusement vrillé. J'ai bien imité ou pas le viewers moyen ? Moi, tu l'as bien imité. Merci, ça fait plaisir. J'ai des talents d'imitateur, il paraît. Allez, on est parti. Je suis remords. Alors... Bah oui, mais sur un lampadaire, apparemment le lampadaire était plus petit que ce que j'avais pensé, j'ai glissé, je suis tombé, je suis mort. Donc c'était ta faute. C'est complètement de ma faute. Dire, voilà. Comment le parachute? Hein? Non rien, mon personnage il s'est TP de l'autre côté de l'aération. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on disait? Bah en fait ça m'a TP dans un endroit qui a l'air de me faire monter là où il y a le parachute. Il y a pas la tyrolienne ici, c'est quoi cette escroquerie? Non. Mais non. Putain de sa mère! Bon, monsieur Fufu, qu'est-ce qui se passe encore? Bah, j'étais dans un endroit qui me menait directement au toit. Et en fait, vu que j'ai maintenu la touche L1, plutôt que de s'agripper, le personnage a couru sur le mur. Là où je suis. Ouais, mais t'es monté comment? En mourant. Tu meurs et tu réapparais ici. C'est bon, j'ai. Hop, j'arrive monsieur funéral. Bon après va falloir qu'on aille à la télévision. Ah bah non, il est censé nous appeler. Bah oui, c'est pour ça qu'on fait ça. Le petit coquin, je suis là Fufu, tu me vois ou pas? Oui je vous vois. Et ben voilà. Ne maintiens pas la touche saut, même si c'est tentant. Deux. Bah sinon tu cours sur le mur au lieu de t'agripper. Ah mais non mais c'est par là qu'il faut aller. T'es dessus là? Ouais, je suis en train d'ouvrir la caisse là. Je suis avec toi. Allez. Ils disent la clé du jureux. Bien sûr. Du jureux. Voilà, une petite techno-mini. Militaire. Bon, monsieur funéral. Oh, il y a un jeu de cartes. Pardon. Ah ouais. Bon, bataille. Ce sont des flèches que... Ouh, ça jette un gros, ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, on peut observer, là, on est haut, là. T'as pas un point de compétence, toi, en parcours? Je vais faire le combo mur de mur en mur, là, tu vois ou pas? De mur en mur? Ouais. Ouais, pour sauter d'un endroit à l'autre? De mur en mur qui murmure. T'aimes bien mon rap? Hein? Non, rien. Laisse tomber. Je vois qu'on tu m'écoutes plus depuis beaucoup. Oui, millénaires? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais j'avais fait un petit rap pour toi, spécial dédicace. Allez, on localise tout! Non, mais c'est pas grave. Oui, en fait, je suis en train de localiser un truc. C'est pas grave, Fufu. Une église! Je pensais que toi et moi, c'était comme ça, mais bon. Ok, une tour radio. Ton son de jeu est trop fort. Bah écoute, on est pas mal, non? T'en es où, toi? Bah j'essaie de capter un truc, mais le problème, c'est que je crois qu'il est loin et ça joue au pixel. Bah rapproche-toi, alors. Bah, je peux pas m'avancer. Anomalie du greux. Ah, tu l'as eu, alors? C'est bon, je viens de l'avoir. Voilà, il y a un parachutage, faut 500 d'endurance. Moi aussi, j'ai un truc au pixel, là. Pourquoi ça... Là, on a un moulin. Oh, faudra 500 d'endurance. Hein. Où ça? Pour aller tout là-bas. 500? Ouais. Attends. Il est où, là, le moulin que je montre? Ok, viens, on va au moulin et on va s'arrêter là. Fufu, viens! Il est où, le moulin? Suis-moi! Ah, je vois.
À l'aventure, compagnon, on va bouffer quelques petits fions. Oh, 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 a pirate life for me. On est des forbans, on aime l'argent, nous sommes des vilains pirates. Regarde, Fufu, regarde là, oh là! Oh là, peu cher, bonne mère! Bonjour. Oh non, Fufu, il est bugué aussi, non? Mais non, c'est parce que je suis pas là. Ah, mais non, on l'a déjà, ils disent. Ah oui, sécuriser le moulin avant. Sécurité, récompense. Ah non? Mais. Bah. Ça a le même bug, ça fait le même bug que l'autre, on peut pas le sécuriser? Ah. Récompense. Débloquer les structures de faction. Ah, il faut d'abord débloquer la structure de faction. D'accord, ok. En fait, cette zone, on n'est pas censé y aller, elle est rouge. D'accord. Elle est pas de notre niveau. Attendez l'appel de Matt. Mais c'est long, là, Matt, non? Il fait quoi? Il se dort la pilule? Il faut qu'on fasse autre chose? J'ai une pilule, hein. Ah, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? On est trop con. Bah, on dort. Bah, c'est un petit peu... Ah, il attend peut-être qu'une journée entière passe, tu vois. Oui, bah ouais, on dort et... Ah, tu veux pas m'aider à capter des trucs? Bah, en fait, cette zone, elle est infaisable, hein. Non, mais on capte juste pour la oui. Prospérité. Bah, j'ai capté déjà là-bas l'église, le machin, le moulin... Là, regarde, j'ai capté un truc juste en bas, cavité sombre... Non, j'arrive pas, putain. En plus, je capte pas ce que je capte, vu que je capte à travers les murs. Mais qu'est-ce qu'il dit, putain? Bah moi, j'ai fait tout le jeu sans vraiment capter ce que je captais, hein. Bah, ça va aller mieux quand on aura mis l'antenne télé, on peut-être qu'on captera mieux. Oh, y'a un truc ici. Ok. J'aimerais être un personnage de cartoon. Mais pourquoi tu dis ça? Bah tu sais, quand ils font les doigts, tu sais, ils mettent leurs doigts autour de leurs yeux pour faire des jumelles, et au moment où ça zoome, ça fait genre direct, c'est qu'on serre les mains autour des yeux, tu vois. Garnison, église... Bah écoute, je sais pas trop quoi faire là, Fufu, je t'avoue. Hein. Bah dormir. Ouais, mais où est-ce qu'on peut dormir? Emplacement inconnu. Il y a une petite maison. Nocturne, là. Là. Où ça? Ouais, mais je te suis, mais je crois que c'est pas une bonne idée, hein. Ici, c'est écrit emplacement. Bah ouais, emplacement inconnu. Et y'a quoi? Un lit. On dort? Attends, faut réparer le truc. Vas-y, répare. Oh, y'a des petites notes, je prends. Ok, réparer le truc. Camomille, camomille, là. Tu sais qu'on en a besoin de cette merde. Ah ouais, putain, camomille. Abeille. Oh, je vous suce, les abeilles. Oh, je suis une abeille, hein. Appelle-moi Maya, hein. Bzz, bzz. On dort? Bon bah vas-y hein, on dort les potes. Les attends, mecs qui nous ont vu, il y a des mecs qui nous ont vu sur le toit d'en face, ils doivent se dire c'est bon. C'est chez nous ici. Ils sont partis dormir, c'est que c'est des mecs de chez nous. On redort? Attends, ils nous appellent? Non. Non, non. Bon, on redort. Bon bah on va s'arrêter là, n'oubliez pas de laisser les commentaires. Ah bah voilà. On se retrouve tous à la cantine. Rejoins-nous. Compris. Et j'étais même pas réveillé, tu sais, il s'est pas dit alors attends, c'est où? C'est où? Tu sais que t'as la gueule enfarinée. C'est à 300 mètres par là-bas. Oh, bah c'est pas loin en plus. C'est pas loin. Eh bah écoute, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Aïe.